c'était un dragon, alors en fait, il ressemble plus à un dragon. Ouais, il y a une grosse queue, comme chose. Ouais, hein, je pense que l'histoire s'en fait. Ah, voilà. Donc, ouais, je sais pas si vous voulez parler un peu plus du film, de la partie Blender développement. On va, en gros, le jeu, ça va être de centraliser, le gros cœur du développement va être centralisé à Kernel, donc d'habitude en général, enfin, sur le jeu, même dans l'institut, ça va servir directement. Et là, il y aura plus de développeurs, plus ceux qui sont déjà en interne, Francesco Lopez, ça fera un gros noyau de 13-14 personnes qui ne sont pas forcément géographiquement situées là-bas. Il y en a qui bossent aussi à distance, mais en gros, ça sera centralisé là-bas. Et chacun des plus studios, en gros, aura au moins un développeur en interne. Pour développer sur les petits internes, quelque chose pour les autres, ça va les embaucher pour soi, pour participer à l'effort commun sur le développement des centrales humaines, etc. Pour avoir des notions aussi. C'est possible de voir un petit peu plus fort. Parlez plus fort. Ah, tu vois, on m'entend pas. Ouais. Ouais, je parle comme ça. Ah ouais. Faut que je rappelle peut-être ou... Je pense pas. Non. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'on sait déjà quels sont les modules spécifiques qui vont être développés pour ce projet? On a déjà des idées un peu précises, ouais, c'est pas la liste n'est pas finie. Enfin, tu parles juste pour Blender ou pour ce qui est autour? Parce qu'on risque de développer beaucoup d'outils autour de Blender qui seront communs à l'utilisation de Blender, on va faire les deux gros enjeux, c'est le Blender Cloud, qui va être la centralisation des données du projet et du futur développement de Blender en ligne, qui sera sur un cloud en gros. Donc ça, c'est moi je, pour l'instant je participe à quoi ce truc-là. Mais on va aussi vachement développer les outils d'asset management, qui sont vraiment nécessaires pour le projet et pour les films en général, qui vont être de, je sais pas du coup. Comme vous connaissez les productions de films, comment ça se passe en général, surtout avec des studios à travers le monde. Mais généralement, on a besoin de trucs tout bêtes pour éviter le papier et le crayon. C'est juste de pouvoir faire la liste des plans, avec la liste des choses à faire par plan, et pouvoir soumettre ces tâches-là à tout le monde, que chacun puisse se les assigner, dire ce qu'ils ont fait. Ensuite, c'est renvoyé dans la timeline du film, etc. C'est mis à jour, il faut que chacun puisse se renvoyer des notes pour les modifs, les trucs comme ça. Et sur un film, on a vite 1500 plans. Pour chaque plan, tu as la modée, la texture, de la ligne, etc. à travers l'eau. Donc il faut pouvoir garder une trace de tout ça et essayer d'automatiser au maximum les tâches pour que quand un graphiste a fini, tu as fait l'animation, le plan est partiellement rendu. Tu te rends compte qu'une fois rendu, mis dans le montage, la ligne ne marche pas vraiment ou il y a un problème, tu veux faire une modif. Là, plutôt que de dire, bon, j'envoie un post-it au mec, le plan 137B, c'est pas le bon, fais une modif, machin, que le gars la fasse, renomme le fichier, relance le rendu, que ça se remette à jour à la main dans ton montage. Quand tu fais ça en production, ça devient vite un cauchemar. Donc le budget, c'est de faire des outils sur le campus, on ne sera pas dans le même pays. C'est d'arriver à centraliser tout ça avec des outils où, en gros, moi je demande une modif sur un plan, quand l'animateur l'a fait, il clique sur le bouton pour dire que c'est fait, et boum, le plan se met en rendu tout seul sur une render farm peut-être virtuelle, se charge tout seul dans le montage, et ressort un daily, ce qu'on appelle un daily, un montage quotidien, avec cette nouvelle modif faite dedans, et ça met un message dans l'interface de l'asset management disant c'est fait, il n'y a plus qu'à regarder le montage pour voir si c'est bon. Ce genre d'outils, c'est globalement, l'industrie en a vachement besoin dans l'audiovisuel, ça existe un peu, ça commence à se faire, mais c'est souvent assez lourd et pas très stable, et surtout c'est pas open source en général. Donc du coup, le jeu, ça va être d'en développer un gros bout, parce qu'on va en avoir très besoin, et ça risque d'être de faciliter après la vie aussi de plein de studios, de petites productions, pour travailler à distance, notamment, sur des projets comme ça. Et après, on le fait pour le film, mais ça peut, je pense que c'est des outils qui peuvent être très utiles aussi pour le jeu, enfin, pour plein d'activités. Je voulais juste savoir, alors les grands targets pour Blender, je crois que ça va plutôt tourner, il y a tout ce qui est dependency graph, justement la gestion des links, des librairies, des compagnies qui vont être complètement faites, toute la partie animation aussi, il y a un gros boulot dessus apparemment, qui a déjà été pas mal lancé par Bassam, le Real d'Elephant Stone, qui fait chier les développeurs de Blender depuis des années en tant qu'il y a comme ça.
Il y a aussi un gros boulot sur Cycles et l'optimisation de Cycles en Ruby. Quoi que, enfin, ce que je viens de voir, il y a un moyen de faire des trucs assez bien et assez rapide. Mais je crois que les gros enjeux sont vraiment là-dessus. Hein. L'optimisation de l'animation, tout ce qui est gestion de librairie et du rendu. Après, je n'ai pas la liste précise de tout ce qui est prévu, parce que ça va dépendre vachement de ce qu'on peut faire pour les films. Et la deadline ? Que le film finit ou les projets de développement, je pense que ça va aller assez vite en fait, hein, parce que de toute façon, c'est un peu comme pour les autres, pour les films précédents, on a besoin des outils pour faire le film. Donc on veut les avoir avant. Donc, je pense que ça va aller assez vite. À mon avis, d'ici la fin de l'année, il y aura l'essentiel des premières versions qui vont être à peu près en place. Quoi. Et après, on aura un an pour vraiment les fiabiliser et les mettre bien les intégrer dans le train qui est viable. Quoi. Je pense qu'il va se passer 6 mois en gros où ça va être grand bas de combat sur tous les niveaux pour sortir les premières versions. J'espère. Il y a une question ici. J'ai cru comprendre qu'il y avait que le développement n'allait pas concerner seulement Blender, mais aussi peut-être tous les softs qui sont attachés à la prod, comme GIMP, le montage, tout ce qui est édition de son, tout ce qui est logiciel libre qui entoure la prod d'un film en fait. Bah ça pour le coup moi je sais pas trop, je sais que David par exemple, David Renoir qui a fait pas mal de design pour le teaser, pousse pas vraiment pour Krita aussi, voilà. Que ça soit développé avec, etc. Donc je sais que le monde de l'open source va essayer de suivre derrière et de nous aider. Après on n'a pas discuté avec les gens de Lightworks encore par exemple, on ne sait pas si on va bosser avec eux ou pas. Enfin, y a pas mal de trucs comme ça qui sont en suspens, donc ça va un peu dépendre des besoins du film. Ah, j'espère. Mais... Vas-y. Tu veux que je spoil ou pas ? Parce que je peux te dire la fin. À la fin, il meurt. Non, le script, on est en développement, évidemment. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dessus. Donc, ça a plein de versions très différentes et là, on est à peu près d'accord sur la structure du film. En gros, on a ce qu'on appelle un traitement, c'est le fait d'après. Normalement, tu fais un synopsis au niveau de l'âge, d'abord. Et la deuxième étape, c'est que tu fais un traitement qui est entre 5 et 10 pages. Tu détailles un peu plus les scènes, en gros. Et après, tu as vraiment l'écriture du scénario complet de 80 pages. 100 pages, donc il se fait dans les 6 mois qui suivent. Là, on est en train de finir le traitement. Donc, on a entre 5 et 10 pages qui sont à peu près satisfaisantes pour nous, mais ça reste encore à affiner, puis ça va vachement dépendre. On commence à réfléchir au casting aussi, du coup, à voir qu'on peut faire rentrer dans le film, quelle part la musique va prendre, parce que moi, j'aimerais que la musique prenne vraiment une part importante dans le film aussi. Donc, il y a pas mal d'ajustements comme ça, de ton et de structures qui sont encore un peu flottantes, qui vont dépendre de ce qu'on peut avoir en développement. En fait. Mais le gros de l'histoire il est à peu près verrouillé. Je crois. Après, c'est ce que tu veux, je te raconte. Ouais, l'interview d'Andrew Prince, là, je résumais un peu. En gros, je raconte un peu toujours la même chose, c'est juste les premières minutes du film, le premier quart d'heure, qui est un peu toujours le même. Enfin, je pense que vous l'avez entendu beaucoup. Non? On est parti sur un 90 minutes normal, mais je pense que ça sera moins. Je crois que de manière réaliste, il vaut mieux se baser sur 75-80. Ça serait déjà pas mal. Non, c'est vraiment de faire un long, quoi. Donc c'est 75 minutes, parce que le jeu, c'est d'arriver à en faire une sortie en salle éventuellement. Donc c'est tout en cinéma, en dessous de 70 minutes par an. C'est 75 minutes, mais c'est un peu génial. Un peu obligé. Il y a des fonds en ce moment. Ouais. En fait, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait plein d'options, et j'ai rien. Ouais, c'est normal. C'est fait exprès. C'est pour être sûr que les gens ne comprennent pas. C'est hyper obscur. Non, en fait, c'est vrai que c'est un peu confus. Tu as deux options, en gros, tu as deux grosses lignes. Quoi. Soit tu soutiens le film comme n'importe quel film, ou projet participatif, ou tu fais un don. Les vidéos, je crois que c'est de 0 à 5000 euros, je pense, tu choisis un peu ton temps. Soit c'est la deuxième offre, mais qui est intégrée à la première, donc c'est pour ça que c'est un peu tout. Soit tu tabotes
au Blender Cloud, qui est un truc qu'on va développer là pendant les 18 mois, qui va être l'outil que nous, on va utiliser professionnellement entre les studios pour centraliser toutes les données, se refiler des fichiers, gérer les fichiers de rendu et l'asset management. Et ça, on va le rendre accessible aussi à tous les gens qui s'abonnent au cloud. Donc, dessus, il y aura accès aux fichiers en cours de prod, il y aura des tutoriels et tout un tas de trucs qu'on va faire exprès pour le cloud pendant que ça se passe, qui sont des trucs qui seront disponibles à la fin du film pour tout le monde, mais qui seront en accès plus restreint pendant la prod. Mais il y a déjà pas mal de fichiers sur. Ouais, on a déjà mis les fichiers du teaser, hein, ils sont liés à la moitié, là, pour la fin, ils sont pas mis sur le train, il y a encore un site studio qui les ont mis. Mais du coup, tous les plans du teaser sont déjà mis dessus, sont partagés, etc. Donc, du coup, l'abonnement à ce truc-là, c'est 45 euros pour les 3 premiers mois pour lancer le projet, et après, ça sera 10 euros par mois, que tu renouvelles quand tu veux, ou tu vois, c'est l'inscription classique, je crois, tous les mois. Et autrement, c'est plus pledge, tout simplement, c'est bien un 2. 0 à 5000 euros. Là, ils ont un peu tout mélangé, ils ont passé par les deux en fait. Ils ont un peu tout mis en même temps, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Le bronze. Ouais, parce que. Bah, déjà, tout ce qui est cher, c'est des gros dons. Bah, c'est souvent pour les entreprises, etc. Enfin, les chefs d'entreprise qui peuvent faire des plus gros dons. Le 170, c'est un montant un peu particulier parce qu'en fait, ça te permet de. C'est comme si tu t'abonnais pendant 18 mois à 10 euros par mois au cloud. C'est la même chose, sauf que tu les payes au départ. Du coup, ça te donne l'accès au cloud pendant toute la durée du projet et ça te garantit ton nom générique à la fin. C'est une offre un peu particulière. Et il y a le cloud, il est inclus dans les 170. Ouais. Enfin, ça revient à payer ton abonnement pour 18 mois d'un coup. Quoi. Ce qui revient, ouais. Est-ce que tu peux quand même nous pitcher en français? Parce que je crois que tu l'as jamais fait, le pitch en français. Raconter le film, l'histoire du film en français? Pas tout. Tu peux le faire en anglais, c'est un peu con. Donc, ouais, alors le pitch du film, le petit résumé de l'histoire, en gros, c'est juste pour le petit historique, il y a un gros studio dans le monde qui travaille sur le film. Peut-être un jeu, quand ça fait. On veut qu'il y ait plus de studios qui travaillent sur le film et. L'intérêt, le défi technique et artistique imposé par la Gina Foundation au départ sur le projet, c'est de dire que ces 12 studios restent autonomes, aussi artistiquement parlant. En tout cas, ils ne vont pas faire leur propre film sans se consulter, mais c'est garder leur patte, leur style. C'est ceux qui font du rendu plutôt freestyle, PR, très 2D, ils gardent ça. Ceux qui sont plutôt sur l'internat et des choses un peu plus classiques et old school, ils gardent ça aussi. Ceux qui sont à la pointe du cycle et qui veulent faire du photoréalisme, ils peuvent. C'est garder chacune des spécificités artistiques et le meilleur de leur savoir-faire à chacun des studios et intégrer ça dans une seule et même histoire. En sorte qu'il y ait 12 studios, 12 univers qui cohabitent complètement différemment à travers une seule et même histoire. Ce qui est un truc qui a été tenté, surtout en court-métrage ou en moyen-métrage, d'avoir des univers comme ça un peu variés qui se répondent, qui essayent de raconter la même histoire. Et là, le but du jeu, c'est de se dire on essaye de faire ça sur un. Donc moi au départ, quand Todd m'en a parlé, j'étais plutôt sceptique, voire même plutôt paniqué, de me dire « ça ne marche jamais, ça. J'ai jamais vu quelqu'un réussir ». Mais du coup, donc je ne vais pas l'imiter, hein, mais il est très convaincant. Et je pense qu'en fait il a raison, dans le sens où c'est peut-être pas juste que ce n'est pas possible, c'est peut-être juste que ça n'a jamais été bien fait. Et là, je pense qu'il y avait un truc à réfléchir, enfin moi ça m'a intrigué, donc moi j'ai continué à travailler là-dessus, à me dire comment faire pour quand même arriver à faire une histoire qui tienne la route en tenant compte de ça et que ça fasse vraiment partie de l'ADN du film. Et du coup, j'en suis arrivé à ce pitch, en gros, qui est, on commence avec un personnage principal, qui pour l'instant s'appelle Michel, est un mouton qui se fait chier sur sa petite île, en tout cas c'est assez classique. Et qui est un peu à l'écart de son troupeau. Voilà, c'est une petite île venteuse, un peu comme Irlande. Il n'y a pas d'humains, ils sont entre moutons, tranquillement. Lui, il est toujours un peu à l'écart, il a de voilà, c'est Michel Lemain. Il est plutôt cool, mais il se fait un peu chier quand même. Et du jour au lendemain, alors qu'il était en train de rêvasser en regardant les nuages, un vendeur, sorte de sale VRP, le type qu'on a souvent au téléphone qui va nous fourguer des trucs qu'on n'aime pas trop, apparaît devant Michel et se met à lui vendre une offre spéciale un peu obscure dont on ne comprend pas trop l'intérêt au départ. Mais le mec est super convaincant,
En plus, face à un tonton, forcément, ça se passe plutôt bien. Et il leur fourgue un truc sans qu'on comprenne vraiment trop quoi, en disant en fait, t'as une vie de merde, et moi je t'offre une vie de ouf. Tu vas pouvoir expérimenter toute forme de vie qui te défonce pendant 5 minutes. Et tu t'arrêtes quand tu veux, c'est gratuit, t'es en mode démo. Donc, c'est toutes les 5 minutes, ça change. Dès que tu t'emmerdes, tu appuies sur un bouton, tu changes de vie, etc. Donc, évidemment, l'art du pitch fait que tu te poses pas trop de questions sur les contreparties de cette offre, qui est pourtant gratuite, et du coup, notre sympathique Michel accepte. Et qui, en plus, c'est un bouton, et qui se fait quand même un peu chier, donc il accepte cette offre. Et du coup, se retrouve projeté tout de suite dans un univers qui est complètement différent qu'un Lavoir, ce qui est un peu ce qu'on a essayé de faire dans le teaser, de manière un peu simpliste, mais. Donc il devient une petite chenille grande comme ça, sans bras, il est collé à une branche. Et c'est là qu'il comprend tout de suite qu'en fait, ça ne part pas. Et que depuis toutes les 5 minutes, il va changer d'univers à ses dépenses, toujours se retrouver dans une situation de merde, ce qui au départ, même pour lui, est plutôt intéressant. Mais il rencontre, je vous fais la version longue du pitch. Et du coup, dans son premier univers, il va rencontrer un autre personnage. Une albinos, là ça sera une chenille blanche aussi qui devient un papillon blanc tout de suite, qui non seulement est magnifique, mais en plus est elle aussi sous la même offre que vous, a accepté la même chose dans un autre univers, et elle aussi toutes les 5 minutes change le monde. Et il tombe fou amoureux d'elle tout de suite. En tout cas, c'est un personnage extrêmement influent. Du coup, il va essayer de la poursuivre et de la rattraper. Donc ils sont tous les deux dans cette offre un peu bizarre où ils changent le monde toutes les 5 minutes. Le jeu, c'est de se retrouver, de se reconnaître, et surtout d'essayer de comprendre un peu comment on arrête tout ça. Et est-ce qu'ils veulent l'arrêter? Est-ce qu'ils veulent rester ensemble? Est-ce qu'ils veulent trouver le responsable, etc. Ces questions auxquelles on répond dans les 80 minutes qui suivent. C'est... Je disais plutôt code quantum, mais un jour sans fin. C'est toujours la même demande aussi. Donc voilà, on est vraiment dans un truc entre la comédie et la romance. Moi je veux que ce soit un truc qui soit très politique, on n'est pas dans un rythme, parce que déjà on n'a pas le budget pour, et puis c'est pas vraiment le propos, on va être dans un truc assez, assez poétique et assez posé, on va profiter un peu des personnages. Ça va être la course à 200 à l'heure entre les univers non plus. Mais voilà, on essaie de trouver ce ton-là, ça se passe très bien avec Esther, qui est la scénariste principale du film, qui était l'auteur de Citadel. C'est l'avant-dernier avec les dragons, justement. Et on s'entend très bien tous les deux, donc c'est un bon sur nous. Et voilà, on espère qu'on va pouvoir le faire dans 10 ans, 15 jours, 14 jours de campagne. Voilà. Je sais pas si c'est scientifique, mais est-ce que Kickstarter a été évoqué ou pas? Ouais, Kickstarter, Indiegogo, ils ont tous été contactés. En fait, Tom a décidé de pas passer par là parce que ça ne changeait rien, en fait. C'est-à-dire que lui, il a misé... Son objectif, son cœur de campagne, c'est d'avoir 10 000 personnes qui s'abonnent au cloud pendant 18 mois. Et il sait très bien que les non-utilisateurs Blender, ça ne les intéresse pas. Donc, il ne voyait pas d'intérêt à élargir les pledges. Et en plus, les conditions d'utilisation de Kickstarter et Indiegogo, surtout sur des projets open source, sont très restrictives. Donc ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord non plus là-dessus. Et a priori, d'après les études qu'ils ont faites, il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas de gain sur le financement du film à passer par cette plateforme. Moi aussi, j'étais surpris. En fait, bon. Pourquoi avoir limité la date pour les. Les versements, parce que on pourrait très bien laisser courir. Bah, je crois que c'est une belle question de PayPal en fait. PayPal, au bout de 41 jours, s'il n'y a pas d'activation des dons, les annule. Donc, au bout de 41 jours, s'ils ne sont pas versés quelque part, ils disparaissent. D'accord. Je crois que c'est ça. La durée la plus longue de campagne possible, c'était ça. Et généralement, sur les autres plateformes, les Kickstarter et tout ça, c'est pareil. Je crois que la durée la plus longue tourne aux alentours de 40 jours. Et c'est bien en fait qu'il y ait aussi un moment où on arrête, hein, parce que si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas? Il y a une réunion demain, les membres de l'équipe vont se faire un Skype demain à ce sujet. On ne sait pas en fait.
pour l'instant. Ça serait abandonné ou alors c'est d'un ça serait accepté. Bah, les plans B n'ont pas été évoqués. On a passé, presque une semaine ensemble au Texas avec Tom et Francesco et on s'est souvent posé cette question et à chaque fois on s'est dit voilà. Faisons tout pour ne pas en arriver là, et si on en arrive là, on verra. Une chose est sûre, je pense que Tom l'a déjà dit et le redira, c'est que s'il n'atteint pas les objectifs de la campagne, le projet tel qu'on l'a préparé, ce sera pas. Il en fera un autre. Je pense qu'il est prêt à faire autre chose, mais ce projet-là ne sera pas. Enfin, en tout cas, pas sous cette forme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si ça fera un cours, un moyen, si ça fera un jeu vidéo, s'il ne fera juste pas de film et que le cloud, je ne sais pas. On verra. Ouais, bah je sais pas trop ça. Je sais qu'il y a quelques gros sponsors. Je sais qu'il y a Dell et Nvidia qui ont fait pas mal de dons, notamment en machine, enfin en hardware. Je sais qu'ils ont pas mal discuté avec les gens d'Ubuntu aussi. Je sais pas ce que ça a donné pour l'instant. Donc, je sais qu'en sponsoring et en fonds privés, il y a quelques grosses boîtes qui attendent. Mais je sais que Tan est assez malin avec ces trucs-là et il fait monter les enchères et je pense qu'on saura qu'à la fin de la campagne ce que ça donne. Alors, ce qu'il y a sur les sites, les chiffres indiqués, même nous on ne sait pas trop. Si, en fait c'est que le nombre de personnes affichées, c'est le nombre de personnes qui ont souscrit au cloud. Donc il en faut 10 000. Et on est à 1007, je crois, quelque part. Et le montant en euros, c'est juste les dons. C'est pas les abonnements au cloud. Ça ne compte que les gens qui ont fait des pledges. Mais ça ne compte pas ceux qui ont déjà souscrit au cloud et payé les 45 ou les 180 euros. Ah ouais. Donc c'est un peu étrange, mais c'est deux choses séparées. Il veut 10 000 personnes qui s'abonnent et 500 000 euros de dons. Non, pas directement. Je crois que ça peut être Potentiellement, oui. Mais c'est des abonnements futurs. C'est pas complètement absurde de ne pas les avoir mis ensemble parce que c'est pas de l'argent qu'il a encore. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'abonne maintenant pour 3 mois et qui paye 45 euros, ça ne veut pas forcément dire qu'il va rester 18 mois derrière. C'est cette promesse-là qui. C'est ce que ça veut dire, mais du coup, il a à juste titre considéré que ce n'était pas de l'argent réel. Parce que ça veut pas dire qu'ils vont rester abonnés. Donc ils ont voulu 10 000 pour les 3 premiers mois et 500 000 euros de pledge. Ça paraît beaucoup, hein, c'est ça. Si tu fais le calcul du cloud et des pledges, en gros, 10 000 personnes pendant 18 mois, ça fait et les pledges et les 500 000, là, on arrive à 1,9 million sur 18 mois. En gros. Ça, c'est la partie qui financera juste le film. Et après, il y a presque 3 millions d'euros de subventions de l'Euromédia, etc., de gouvernement hollandais, etc., qui, eux, sont que pour le cloud et la partie développement de l'État. Sur la partie technologique, quoi, qui ne sont pas liés au film. Je ne sais pas si vous avez même juste des remarques, quoi, ce que vous en pensez de tout ça, parce que ça m'intéresse aussi d'entendre un peu parler en vrai, pas que sur Internet, quoi. Je vois un peu comment vous réagissez face à tout ça. Enfin, si le projet vous intéresse, si ça vous paraît un peu absurde ou trop fou, je ne sais pas. À part faire des dons, on ne peut pas aussi participer au projet. Même en faisant, je ne sais pas, 3 secondes de temps en temps. Ah, si, bien sûr. Ouais. Enfin, moi, j'espère que ça fera partie des choses qui seront développées. Moi, j'en parlais avec Denis tout à l'heure, mais je pense que l'intérêt du cloud et de l'asset management, j'espère, c'est que ça devienne un peu comme. On en parle beaucoup avec les gens de Cincinnati, Jonathan Williamson et Wes Westbrook, qui gèrent la communauté de Cincinnati et qui gèrent aussi les meilleurs artistes, et qui sont plutôt chauds pour ce genre de choses justement, c'est d'arriver à faire de récupérer l'effort commun aussi et de pouvoir aussi ça avait été fait sur Cintel d'ailleurs, de sous-traiter entre guillemets à ceux que ça intéresse sur la meilleure communauté pour se faire la main. Pour pouvoir améliorer le film. Moi j'aimerais bien que ça soit faisable. Après il faut beaucoup de ressources pour faire ça. Parce que c'est pire qu'un forum, il faut vraiment très bien administrer ce genre de choses pour qu'il n'y ait pas de temps et d'efforts perdus de la part de tout le monde. Enfin, que ce que tu puisses proposer soit utilisé dans le film,
et qu'à l'inverse, on ne soit pas non plus en train de demander l'impossible aux gens qui sont en place. Enfin, faut que ça marche dans les... faut bien que ça marche. Après, moi, je partais du principe où c'est des gens forcément qui ne sont pas dans les studios et qui sont sur les films, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui veulent juste participer à des projets, qui ne sont pas en manière bénévole. Par exemple, je suis étudiant, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas participer au code de mémoire. Non, mais justement. Faire un caillou, je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. C'est fait partie des choses qui seraient discutées. Après, ils ont déjà un petit peu tenté ça avant, pas à grande échelle comme ça. Mais c'est un boulot dingue, il faut préparer ça. Il faut, pour qu'on te dise quel caillou il faut faire, dans quel format on le veut, comment il faut le nommer et quelle gueule il doit avoir. Et on parle juste d'un caillou. Alors que dans le Japon, il y en aura des centaines déjà. Donc, on pourrait pas forcément. En fonction de la tâche à faire et de ce qu'il a fait avant pour cette personne, je proposais. Je suis très d'accord avec ça. Là où moi j'attends de voir leur retour, c'est comment ils vont arriver à administrer ça et si ça peut se mettre en place, parce que c'est vraiment une énorme structure à mettre en place derrière, que ce soit très bien maintenu pour que ce soit pas mal. C'est la même chose, c'est qu'il faut avoir des... C'est une gestion communautaire qui prend vraiment un peu gros sur chez nous. Donc, moi, je ne suis pas producteur là-dessus, c'est pas une décision. Je pense que ce serait effectivement une très bonne idée. Après, je sais que pour en avoir déjà parlé avec eux et avec Francesco, qui gère beaucoup ça aussi au Bianco Institute, je sais qu'ils ont tout de suite tendance à. Enfin, c'est un peu des lents parce qu'en fait, l'investissement en temps et en ressources pour manager un truc comme ça, en fait, c'est pas du tout rentable par rapport à embaucher deux graphistes qui savent le faire. Donc, moi, je pense qu'à long terme, c'est aussi plus intéressant de faire participer des gens extérieurs parce que ça permet de faire grossir la communauté et puis ça reste communautaire, justement. Après, ça reste aussi une production, ça. J'ai 18 euros à faire un sortir du film. Donc chaque euro va coûter. Si c'est finalement plus rentable pour eux d'embaucher des graphistes pour faire des cahiers plutôt que de les faire en participatif, je ne sais pas. C'est pas moi qui prends ces décisions-là. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué à décider. Ça va dépendre de plein de choses. Voilà. On va peut-être s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, il va falloir qu'on rende la salle d'ici 5 minutes. Oui, on peut déjà, ceux qui veulent peuvent venir au bistrot à côté, continuer la conversation. Merci d'être venus.